Château, je fais partie des musiciens. Je joue du piano depuis 7 ans, de la guitare depuis 3 ans, et quand je suis arrivé ici, je n'avais qu'un seul souhait, jouer de mes instruments et m'éclater comme un gamin. David est arrivé sur son cheval blanc, David est arrivé dans son grand château blanc. Depuis 5 semaines, la Starac a réalisé mes vœux. David est un jeune garçon doué, doublé d'un jeune garçon qui travaille énormément. Avec son piano, il arrive à casser la baraque parce qu'il se prépare bien en amont. Il a des droits sur son sourire, elle a des droits sur ses désirs. La poupée du pianiste. Devant l'hôtel, dans les coulisses, elle rêve de la vie. Je m'amusais, les professeurs étaient contents de moi. J'avais l'impression d'être assez à l'aise. Pour moi, c'est ça un vrai artiste. Bravo. David, c'était top. Vraiment, il s'est passé un truc très très chouette. J'ai fait un bon truc. Je sais pas si je serai à la hauteur dans les prochains trucs. Parce que je suis tout le temps plus à l'aise avec un piano dans les mains que sans rien à prendre mon micro à bouger je ne sais où. Alors que quand j'ai un piano, ça va beaucoup mieux. Je crois pas que David se cache derrière ses instruments. Je crois que David est habitué à s'accompagner. Maintenant, il est un peu taciturne des fois. J'ai envie qu'il soit un peu plus généreux. Je n'ai pas peur de la route. Faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres, creux des reins. Et tout ira bien. C'est chanté proprement. Je trouve que ce qu'on attend d'une interprétation, c'est l'émotion. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que l'émotion était limite, David. Puis j'ai senti le vent tourner. Les professeurs un peu moins enjoués. Je ne savais pas trop ce qu'ils attendaient de moi. Permets-toi de te faire du mal, ouais. De te faire peur et de proposer autre chose. Parce que si tu fais ce que tu sais faire, c'est pas intéressant. Mmh. Surprends-toi. Et ça va peut-être t'ouvrir des portes insoupçonnées. Toute l'énergie qu'on peut avoir quand on interprète une chanson, bah lui, il la met dans ses plaquages d'accords ou dans sa guitare. Le challenge avec lui, c'est qu'il puisse mettre cette énergie-là au service de l'interprétation. Élodie Frégé viendra chanter vendredi. Bonnie and Clyde. Elle va le faire avec quelqu'un qui ne pourra pas se cacher derrière son piano. C'est Monsieur David. J'ai envie de le voir aller au-delà de ses capacités de musicien et de ses capacités de chanteur. J'ai envie de voir un comédien qui me fait une chanson cette semaine. Les challenges ne m'ont jamais vraiment fait peur. Mais ce soir, je crois que sans ma guitare et sans mon piano, je serai sûrement un peu moins confiant. Mais les profs ont sûrement raison. C'est en se dépassant aujourd'hui que je deviendrai plus fort demain.